connaître la suite. Il y a qui pour se mettre dans des situations pareilles? Ah, pour ça, il est champion. Je m'en vais. Mon avion décolle tôt demain matin et j'ai pas encore fait ma valise. Viens là. Mais alors, pourquoi t'es venu? C'est vrai, on a à peine eu le temps de se voir. Je suis juste venu dire bonjour. Ah ouais? Tu t'es arrêté en passant, c'est ça? Ah, mais non, pas en passant. Je suis venu pour vous, même si c'est en coup de vent. Non, allez, reste encore un peu. Raconte-nous ce que tu fabriques là-bas. Je sais pas, dis quelque chose en allemand. Non, sérieux. Comment ça se passe là-bas? On fait beaucoup la fête, hein? Y a des couples bisexuels? Des plans à trois? Moi, la seule fois que j'ai fait un plan à trois, c'est quand j'ai baisé ma femme qui était enceinte. Moi, ma femme et le bébé. Trois. Ah, t'as une sacrée veine d'être payé pour voyager. Ouais, je t'envie. Un plan comme ça, je te dis pas comme ça me plairait. Ouais. Vous savez, ces reportages typiques pour vous faire connaître un endroit ou parcourir telle ruine, ou encore découvrir telle ville en 12 endroits. Eh ben, qui c'est, le sale vénard de fils de pute qu'on paye pour faire ça? C'est mon pote que vous voyez là. Et on te paye tous tes frais? Eh oui, c'est un boulot en or, je me balade, je fais le guide, et puis on me paye. Comment tu dois t'éclater? Mais t'as pas le temps de te poser. On te donne un programme, un genre de guide, et c'est toujours le même topo. Les activités pour les adultes, les sorties en famille, les endroits pour les enfants, où on peut se restaurer. Quelquefois, tu fais appel à quelqu'un de connu et ça se passe encore mieux. T'as jamais eu envie de te fixer quelque part? Moi, je serais tenté de le faire. Non, c'est pas possible. Il faut que je raisonne comme un touriste. Les touristes ne pensent pas à rester. Ils veulent vivre à 100 à l'heure, faire toujours la même chose, les mêmes photos, les mêmes endroits. Et allez, hop. Rien de sérieux? Non, rien d'important. Pas comme vous. Et tu l'as vu? Non. Elle voulait pas venir. Parce que son gringo est dans le sud avec les jumelles. On l'a convaincu de faire un saut jusqu'ici. Ouais. Tu peux l'attendre? Tu l'as pas vu depuis quand? Longtemps. Combien de temps? Beaucoup. Il est à quelle heure ton vol? Midi, c'est ça? Retarde-le de 24 heures, hein? T'as qu'à le retarder, et je sais pas, on profite d'être tous les quatre ensemble. On invite du monde, on fait la bringue, on se marre, on bouffe. Allez, mon vieux, on se fait un barbecue chez Roberto. Hein? Puis, tiens, on se fait une partie de foot, hein? Ouais. Depuis quand t'as pas vu deux équipes s'affronter? Je sais pas, ça fait un bail. Ah, tiens, tu vois, on se trouve des maillots et y a plus qu'à. Hein? On se fait ça? Non, je peux pas, je peux pas. Enfin, merde, quoi, Andrés, non? Bon, allez, ça fait rien, ça fait rien. Les racines, mon pote. Les racines, c'est ce qu'il y a de plus important. L'amitié, c'est ce qui compte le plus. Le reste, c'est que dalle. Qu'est-ce qu'il aurait fait, Francisco? On était comme des frères. Regarde maintenant. On est des étrangers qui parlent du passé. Toujours le passé. Lui, là, tu vois, il est cadre supérieur, formidable. Moi, je fête mes anniversaires chez mes vieux. Et lui, là, ce mec... Qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis consultant. Ça, c'est un bon plan. Et Andrés, lui, il écrit ses trucs. La plage de machin-chose... La montagne truc bidule, le plat typique indonésien et le conte sa mère. Ça va aller. Ça m'a fait vraiment plaisir de te voir. Merci, mon vieux. Ciao. Vous viendrez me voir là-bas.
désolé. Il a quel âge? 1 an. Comment il s'appelle? Bruno. Il est mignon. Vous n'avez pas perdu de temps? Eh oui, dans la chambre, il n'y a pas la télé. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je peux te raconter? Je sais pas, ta vie. Ce que tu fais, où tu vis, ce que tu manges. Tout. Tiens, l'autre jour, j'ai lu qu'un mec qui fait la même chose que toi, mais pour le New York Times, eh ben, il a créé des sites qui ont été piratés. Tu crées des sites, toi aussi, non? Ça m'arrive. Des fois, t'as pas trop la pêche, alors tu vas à la plage, histoire que le photographe te montre les photos, et après, t'écris un article, t'emploies des termes comme exotique, ne manquez pas à la gastronomie locale, coucher de soleil extraordinaire. Moi, ce qui me plairait là-dedans, c'est de vivre dans des hôtels. Ça, ça me plaît. Y a pas que ça. Ajoute le mal de l'air, le jet lag, dormir à l'aéroport. Et alors, si t'es sur le siège du milieu à côté de quelqu'un comme toi avec des gamins qui pleurent. Tu voyages pas en classe affaire? Si, ça m'arrive parce que je finis par accumuler des miles. Ah ouais, tu accumules des miles. Eh, tu te souviens, Raloun? Quoi, Raloun? On était les tout jeunes. Non, on n'était pas si jeunes. J'avais déjà les nichons qui pointaient. Et toi, tu vas bien? Et Pablo, il a réussi? Il est drôle. Ça fait combien de temps que t'es pas venu à cet anniversaire? Peut-être 10 ans. C'est dingue comment on se fait vieux. En tout cas, l'anniversaire de Pablo était le plus marquant. Il se passait toujours quelque chose qui nous renvoyait à d'autres anniversaires. C'était toujours dans cette maison qu'il se passait les choses importantes. Sans compter tout ce que t'as manqué depuis. Toutes les nanas de Christophe, Muriel avec Roro. Georges, qui a mis le feu au salon une année. Il y a eu aussi la séparation de Béa. Béa s'est séparée? Oui, 1 an. Et puis elle est revenue. Mais avec un mec qui se la pète. Tu vois, un mec un peu dans ton genre. Quand vous vous êtes séparés, j'étais vraiment mal à l'aise. Je savais pas pour qui prendre parti. Du coup, je me suis éloignée de vous deux. Enfin bref, une fois, j'ai discuté avec Béa. On est allé manger une glace. Elle m'a beaucoup parlé de toi. Vous avez reçu mes mails et les photos? Les photos. Oh, elles étaient belles, tes photos. De vraies cartes postales. Je suis une mauvaise amie, j'ai négligé de te répondre. Tu sais que Pablo doit m'aider à ouvrir mes mails? Je suis carrément nulle pour ces trucs-là. J'appelle ça l'ordinateur. Pablo me met en boîte, il me traite de grand-mère, mais je m'en fous. Je trouve que lui, il est prisonnier, complètement accro à l'ordinateur. Il le quitte pas, il chatte, il regarde du porno, il téléphone, il fait absolument tout avec. Tout ça avec la même personne? J'en sais rien, je suppose que non. Une fois, je l'ai surpris en train de baiser virtuellement. Et lui, il me soutenait que c'était pas de l'infidélité. Arrête, je lui ai dit. Un peu que c'est de l'infidélité. Baiser avec un robot, c'est toujours de la baise, ça change rien. Je me raconte pas d'histoire.
Tu devrais t'y mettre. Chatter avec lui. Et jouir virtuellement. Oh, j'en peux plus. Je te jure. Je vais exploser. On m'a donné la date, c'est déjà ça. T'es enceinte de combien? Bientôt 8 mois. Je crois que si la grossesse durait plus de 9 mois, la race humaine aurait disparu. C'est vraiment insupportable. Pablo me touche plus depuis environ 4 mois. Pas une seule petite caresse dans la cuisine, plus rien, que dalle. Il dit que le sexe est incompatible avec la maternité. Qu'il peut pas m'attraper les seins s'ils sont remplis de lait. Je lui ai dit qu'il y avait des sites porno avec des femmes enceintes. Je les ai vus. C'est même chaud. Les femmes enceintes peuvent être super chaudes, tu sais. Ça s'est passé comme ça pour toutes mes grossesses. Dès le 5e mois et au-delà, je deviens très chaude. Même un singe en plus, je pourrais me baiser, c'est pour te dire. Bon, on descend. On descend. Aide-moi. Aïe. Bonsoir. Bonsoir. T'es venu? Oui. Pas longtemps. Pour dire bonjour. J'ai appris que finalement t'as vendu la maison de tes parents. Oui. Et le petit appartement dans le centre. Ça devenait compliqué pour moi, ces histoires de gestion. Toucher les loyers en étant si loin. J'ai préféré vendre. C'est sûr. Je viens de discuter avec Mariana. Elle est... J'ai vu que vous aviez tout été fertile. Un truc dans la nourriture, peut-être? Toi, t'en as combien? Des jumelles. Elles ont 5 ans. Ça doit être du boulot. Et toi? Un hamster. Ça compte. Non, ça compte pas. Bon. Il faut que j'aille me battre avec une valise pleine de souvenirs. Eau de vie, artisanat, beaucoup de vin. Un vrai touriste. Ouais. Un vrai touriste. Tu as l'air... d'aller bien. J'ai quelques kilos de plus. C'est pas grave. Bon. Si je te revois pas, bonne chance. Je te souhaite bonne chance. À toi aussi. Béa. Thank you.
C'est super qu'on se soit revus. Alors, t'es encore là? J'ai oublié ma veste. J'ai une autre idée. Partons. Putain, il est nul, ce gardien de but! Mais qu'est-ce que t'y connais, toi, du coup? Pardon. Je te jure, ces gosses. Ils sont dans une autre dimension quand ils jouent avec ce truc-là. On y va? Où ça? S'éclater ailleurs, où il y a de la gonzesse. Après, je te laisserai à l'aéroport. Non, Ignacio, sans moi. Tu sais pas ce que tu perds. Allez, petite tête, pousse-toi. Pousse-toi. Allez. Comment il s'appelait le jeu avec le vaisseau qui tuait des martiens dans un bip 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 bip? Space Invaders. Space Invaders, c'est ça. Il y avait tous ces petits carrés sur l'écran. Regarde le graphisme de ce truc-là. Allez. Salut. 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 Oh non, non. Oh putain. Passe-moi ça, je vais te faire le coup du foulard. Et comment tu fais? Comme ça, regarde. Donne. But! Super but. Carrément. Bien joué. Je crois que, pour le foot, le meilleur score que j'ai fait, c'est quand j'ai joué avec le Barça, avec Messi et tout. Moi, c'est avec l'équipe du Chili et Chupete Suazo comme buteur. Balèze. Balèze. T'étais ami avec mon père quand t'étais petit? Oui, on se connaît depuis qu'on est enfant. Et depuis quand vous vous êtes pas vu? Depuis mes 23 ans. Et t'as quel âge maintenant? 33 ans. C'est vrai que vous avez fêté l'an 2000 à moto dans le désert? Non. Mais bon, si on te le demande, tu diras que j'ai dit oui. Tu fais vachement plus jeune que mon père. T'as déjà fumé de l'herbe? Oui. Et t'as essayé les champignons? Une fois. T'as déjà baisé sans préservatif? Oui. T'as fait le test du sida? Une fois. Pourquoi? Parce que quand j'étais au Cap, j'ai rencontré un mannequin. Et je suis sorti avec elle. Et elle avait le sida? Bien sûr que non. T'as déjà touché des nichons en silicone? Oui. C'est comment? Bizarre. T'as déjà sodomisé une de tes gonzesses? Ouais. Et comment c'est? Eh non mais attends, ton père il te laisse parler de ces choses-là? Tu parles, il me bloque l'accès à Internet. Il dit que le porno va me pourrir la tête, mais lui il en regarde. Il surfe sur tous les sites. Ton vieux c'est un hypocrite. Mais non, mais le porno c'est pas pour les enfants. Et tu regardes du porno? Ça m'arrive. Et ça t'arrive tous les jours? Ça t'arrive une fois par mois ou ça t'arrive tout le temps? De temps en temps, une fois tous les 15 jours, quand je suis devant la télé en attendant qu'une émission commence. J'en sais rien, peu importe.
Tu sais que le sperme, c'est bon pour les rides? C'est des chercheurs qui ont fait cette découverte. Je sais pas trop, mais ils venaient d'une grande école prestigieuse. Ils faisaient des recherches sur le vieillissement prématuré. En fait, comme toi, ils mataient des magazines porno. Et ils se sont rendus compte que les stars du porno n'avaient aucune ride sur le visage. Alors ils en ont conclu qu'il pourrait y avoir un rapport entre le sperme et les rides. Et maintenant, toutes les crèmes chères contiennent du sperme. Mais ils le disent pas, sinon les gens ils se mettraient pas de crème. Je te dis ça au cas où t'aurais une fiancée. Tu peux lui dire, comme ça chacun y trouvera son compte. Il trouvera son compte. T'as une fiancée? Non. T'en avais une? Oui, bien sûr, j'en avais une. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé... Je sais pas. Ouais, oh. But. Ah ouais, trop cool. Il était dedans? Ouais. Tu t'en vas? Ouais. Comment elle est, ta veste? Noire. Il y en a plein par là. Celle-là? Bonne chance. Ouais. Bon. Un de ces quatre. Et perdez pas la main.
Andrés? Oui? Salut! Tu te souviens pas de moi? Non. Bon, alors, imagine-moi faisant à peu près cette taille, en train de cavaler partout, la coupe au carré. La petite Caro. Oh. Oui. Salut. Oh là là. Ça alors. Oh, dis, je vais te présenter à mes amies, elles sont sur la terrasse. C'est que je dois partir, alors. Oh non, arrête, viens avec moi, s'il te plaît. Juste un instant. Petit, alors. Minuscule, super. Viens. Je suis contente de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Suis-moi. Les filles. Elle, c'est Dani. Et elle, c'est Maka. C'est l'excitée du groupe. Salut. Salut, Maka. Tu sais que je t'aurais jamais reconnue. Tu es... grande. Et les filles, vous savez qu'Andrés était de loin, mais alors de très loin, le mec le plus adorable de tous les copains de mon frère. Tu sais que je me rappelle encore la fois où tu m'as emmenée avec Francisco au ciné. Toutes mes copines étaient folles de jalousie. J'ai toujours trouvé que mon frère ressemblait à River Phoenix. Et toi, tu ressemblais à l'autre. Putain, ce qu'il était beau, le Francisco. Qui était qui? Elle a pris quoi? Des champignons. Dis-lui de boire de l'eau. Bois de l'eau. Dani? 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 Bois de l'eau. Ah. Mais Andrés, pourquoi on n'en profiterait pas puisque t'es là et qu'en plus, maintenant, je suis grande pour boire un coup ensemble? Il faut que j'y aille, Caro. Sérieux? Mais je t'aide à finir. S'il te plaît, rends-moi un service. Délicieux, c'est tout chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, rien, c'est parce que sa vieille est tout le temps derrière Maka. Elle veut pas qu'elle aille dormir chez une amie, alors si elle nous voit sortir avec toi, elle nous dira rien, tu comprends? Et une fois là-bas, t'auras plus qu'à nous laisser. Dans le centre-ville. Dans le centre? Pourquoi vous voulez aller dans le centre? Pour aller à une fête dans un hangar, un truc génial. La meuf de Dani fait de la musique dans ce hangar. Mais tu vois, ça aussi, c'est une chose que la vieille sait pas, alors dis rien, s'il te plaît. T'es maquée, Dani? T'as pris quel champignon? Oh, j'en sais rien. En fait, on les a eus quand on est parti en excursion. Au Pérou. Andrés, tu sais, Pablo, l'autre jour, figure-toi qu'il m'a montré des revues dans lesquelles t'écris des articles. Et tu as écrit un article sur une plage de surfeurs où il y a un temple, il me semble, non? C'est ça? Uluwatu. Sérieux? Les photos étaient fantastiques. Emmène-moi. Emmène-moi, Andrés. Imagine, le jour où je t'accompagnerai dans tous ces endroits extraordinaires. Je porterai ton sac à dos et le trépied, ce que tu veux. Et la nuit... Oui. Il faut que j'y aille. Non, attends. Laisse-moi te regarder. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu fais cette tête? Allez. Et tu préfères qu'on aille chez toi? J'ai pas de maison ici, Caro. Je suis à l'hôtel. Sérieux? Moi, je trouve ça encore mieux. Room service, minibar. J'adore tous ces trucs-là. Et en plus, je suis la petite sœur de ton ami, alors.
C'est un peu un fantasme, non? Salut, Caro. C'est toi? Hein? C'est toi qui étais dans la voiture quand Francisco est mort? Dani. Tais-toi. C'est ce qu'on m'a raconté. Ouais. C'est moi. Allez, les filles. Salut. Salut. Portez-vous bien. L'autre jour, quelqu'un m'a dit que tu étais sur Internet. Ça devient lourd, ces sites où tout le monde est soi-disant ton ami. Tu trouves pas ça envahissant? Si. Pourtant, t'y es quand même. Avec tes photos et tes secrets. Et qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas. Tes photos. Les photos de tes amis. J'ai mis quelques photos d'avant. Ouais. J'en ai vu. Une. On peut tout numériser aujourd'hui. D'un autre côté, je me demande qui attache de l'importance à ça. Je pense aux gens qui peuvent être mal à l'aise à cause d'une photo où on les voit en train de vomir ou à cause de la vidéo porno d'un ex. La question est de savoir qui ça peut intéresser, la vie des autres? Bah, beaucoup de gens. Non, sérieusement, qui ça peut intéresser? Que je sois sous sur un parking et qu'on me voit sur Internet. Les gens qui t'aiment? J'ai vu une photo où on te voit danser. Mais elle est récente. Ah, ouais. Quand ma cousine a enterré sa vie de jeune fille. Tu sais ce que je me suis dit? Que pendant tout le temps où on a été ensemble, on n'a jamais dansé tous les deux. Ouais. On n'a jamais dansé. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas faites. On n'a jamais voyagé ensemble. Tu sais que mes parents ont vendu la maison, eux aussi? Leur maison? La maison? Celle de la plage? Duncan?
Non. Si. Ils vont construire un complexe hôtelier. Un grand truc monstrueux et luxueux. Pile à cet endroit. Exactement. Un type se promène sur les rochers d'une plage et il arrive à une crique. Il voit une fille nue en train de prendre le soleil. Tout est tellement parfait que le type se demande si la scène est réelle. Tout à coup, il est ramené à la réalité par les aboiements d'un chien. La fille se lève et se couvre avec sa serviette, tout en criant au chien. Balthazar, tais-toi. C'est un bon début. Il n'y a pas mieux. Un jour, il faudrait que tu ailles dans cet hôtel monstrueux et que tu exiges quelque chose. Par exemple, un week-end dans une suite. Ou mieux encore, de l'argent. De l'argent pour avoir détruit tes plus beaux souvenirs. Une indemnisation ? Ouais. Une indemnisation. Et qui dit que ce sont mes plus beaux souvenirs ? Ok. Personne ne le dit. Ce sont mes plus beaux souvenirs. Enchantée. Andresito. Je m'en vais. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Merci, à moi aussi. Dis-moi, Andresito. Tu t'es habitué là-bas, si loin d'ici? Berlin est une très jolie ville. C'est comme si on ne pouvait pas la connaître entièrement. Quelquefois, les week-ends, par exemple,
Il me vient l'idée de découvrir de nouveaux quartiers, d'aller voir certains marchés, certaines foires. Mais j'ai toujours le sentiment, finalement, de ne profiter de rien. De n'avoir presque rien vu. Là-bas, je me souviens de ton pain avec l'avocat. C'est vrai. Quand je cherche à me rappeler quelque chose qui me touche, quelque chose de très agréable, je pense à l'avocat sur ce pain délicieux. Et les œufs à la coque, peut-être. Et les céréales avec le lait concentré. Vous étiez tous mes enfants chéris. Francisco, c'était mon chouchou. Mais toi aussi. J'ai l'impression de vous voir assis là, tous les deux, à cette table, comme si c'était hier. Parfois, quand je fais le ménage, que je suis seule et que je monte nettoyer sa chambre, je sens sa présence. Mais ça n'a rien à voir avec un souvenir. Je le sens vraiment. J'écoute les bruits qu'il faisait en ramassant ses affaires. Comme s'il ne voulait pas s'en aller. Comme s'il espérait quelque chose. Sortir les bouteilles. Oui, on va avoir besoin de toi. Il y a de la glace? Ouais, tiens. Yé, sors les boissons. Elles sont où, les bouteilles? Oui, oui, elles sont les là. Les filles s'occupent de l'omelette. T'as sorti les glaçons? Oui, ils sont là. Tiens, prends ça. Il faut sortir les assiettes et les couverts. Ça va suffire? Il y en a d'autres? Il y a d'autres assiettes, Guillet? Il y en a assez? Oui, elles sont là-bas, dans ouais, les celliers. Ouais, ça devrait aller. Ok. Laisse, je m'en occupe. Tiens. J'ai pensé le mettre dans ma chambre,
l'utiliser. Mais finalement, je me suis dit qu'il était mieux ici, avec ses affaires. L'autre jour, en faisant du rangement, j'ai trouvé des vieilles photocopies. Des écrits à toi. Des conseils que tu donnais à mon frère pour qu'il puisse entrer à l'école des mines. C'était des bons conseils. Insolites, mais valables. On avait passé un accord avec ton frère. On se disait tout, sans exception. On restait des heures à parler dans cette chambre. À chaque fois qu'on entrait ici avec un problème, on en discutait jusqu'à ce qu'on arrive à le résoudre. Je pensais pas que ça me manquerait autant. Quand je voyage en avion, je gamberge beaucoup. Je tourne et retourne des questions dans ma tête. Et je me demande ce qu'il aurait dit. Raconte-moi. Sur le fait de quitter quelqu'un, sans être tout à fait certain de vouloir le laisser tomber. C'est Béatrice. Je lui ai dit que je voulais qu'on se sépare quelque temps. 3 mois. Étant donné qu'on se connaissait depuis toujours, je trouvais que c'était pas sain de ne pas essayer de se séparer. C'est comme ça que je suis parti en Europe. À mon retour, on devait se retrouver pour aller boire un café. Ensemble, on avait même fixé le lieu, l'heure et tout. Et je lui aurais dit, en fait, c'était une erreur, je veux être avec toi. Je sais pas si elle est allée dans ce café. J'en sais rien. Tu sais ce qu'aurait dit mon frère? Ouais. Ouais, je sais ce qu'il aurait dit. Thank you.
t'es resté? Ils veulent jeter Pablo dans la piscine. Tous les ans, ils font la même chose, ils changent pas. Ou plutôt si, ils changent, mais ils le voient pas. C'est comme pour les petites. Chaque week-end, leur grand-mère trouve qu'elles ont bien grandi. Mais moi, je m'en rends pas compte. Je pense que quand elles vont revenir, ça me fera pareil. Où sont-elles? Dans le sud, avec leur père. C'est la première fois qu'ils partent seuls, tous les trois. La première semaine, elles appelaient toutes les heures. Elles s'appellent comment? Juana et Martina. C'est bizarre, mais comme je t'ai jamais vue enceinte, j'arrive pas à t'imaginer... À t'imaginer mère. Pour moi, tu es la même. L'autre jour, c'est-à-dire il y a 4 ans, mon frère... T'es au courant que Diego vit à Bologne? Enfin bon, il voyageait en avion et dans un magazine, il est tombé sur un de tes articles. C'est tout juste s'il t'a reconnu sur la photo. En tout cas, moi, je t'ai pas reconnu. Il t'a apporté l'article? Non, je suis allée chez lui. T'es allée en Europe? Oui. Dans quel coin? Madrid. Après, je suis passée par Paris. Je suis pas restée longtemps. Et Berlin. T'es venue à Berlin? Tu m'as pas appelé. C'est que... J'avais pas ton téléphone, ni rien. Je sais pas, j'ai pensé que t'étais en voyage, alors... Ça s'est bien passé? Vous étiez à quel hôtel? J'étais seule. Bon? Et toi, comment ça va? Tu vis avec quelqu'un? J'ai vécu un moment avec une Italienne. Elle aussi, elle était journaliste, mais... Finalement, ça n'a pas marché. Sans doute à cause de l'âge. De toute façon, la seule personne avec qui je pouvais être... Avec qui j'avais cette impression d'éternité, avec qui je n'envisageais pas de fin... C'était toi. Bon. Ça m'a fait plaisir. On a fait ce qu'il fallait, non? Est-ce que t'es heureuse? Je vais rentrer.
Je t'ai appelé. Quand j'étais à Berlin, je t'ai appelé. J'ai pas voulu laisser de message sur ton répondeur. Je sais pas. Je trouvais ça idiot. Et puis aussi, j'ai pensé... Je sais pas. Que ça m'aurait fait plus de mal. Comment ça, plus de mal ? Je savais pas si ça aurait compté pour toi. Je pouvais pas savoir si t'étais occupé à essayer d'endormir ton fils ou occupé avec une fiancée, avec ta vie. C'était pas le cas. Il faut dire que je sais rien de toi, Andrés. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Pourquoi t'es venu ? Parce que je voulais te voir. Ouais. Et qu'est-ce que t'espérais trouver ? Les gens continuent leur vie. C'est très facile d'être un voyageur en transit, de regarder le monde comme un touriste. Ce qui est difficile, c'est de rester et de faire face au jour le jour. Tu peux pas réapparaître comme ça et raviver tout ça, comme si c'était moi qui devais demander pardon. Pour ma famille, pardon. D'avoir quelque chose. Partons d'ici. Partons d'ici. Je suis sérieux. Qu'est-ce que t'es égoïste? Ouais. Je suis égoïste. Peut-être qu'avant, j'aurais accepté ton partons d'ici. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose. Tu veux que j'échange mon quelque chose contre rien? Restons pas ici. Où veux-tu aller ? Pas ici. J'ai beaucoup hésité avant de venir. On m'avait dit que tu serais là. J'ai pensé prendre la voiture et partir dans le sud, mais non. Je suis venue. Je me suis même acheté des vêtements. Ces vêtements. Je suis restée pas loin d'une heure à attendre dehors. À me demander si je devais descendre de ma voiture. Je savais pas ce qui allait m'arriver. Ni ce que j'allais dire en te voyant. Moi,
je suis allée dans ce café. Je veux que tu le saches. J'étais dans ce café. J'ai bu quelque chose en regardant les gens. En écoutant les conversations des tables voisines, comme on aimait bien le faire tous les deux. J'ai pleuré aux toilettes. J'avais jamais pleuré dans un lieu public. Une inconnue m'a soutenue. Je sentais plus mes jambes. Elles étaient comme paralysées. Je suis restée couchée pendant 2 semaines. J'ai dit que j'avais la grippe. Que ça avait dégénéré en sinusite. Qui avait dégénéré en pneumonie. Je me souviens d'un jour. Un jour merdique. Un jour de mai merdique. J'ai demandé à ma mère de t'appeler. J'étais incapable de me lever de mon lit, je pleurais sans arrêt. J'ai dit à ma mère. Très sérieusement, maman, appelle-le. Elle m'a regardée. Elle m'a juste regardée en me disant, on ne va appeler personne. Une année, on venait de rentrer de vacances. C'était un dimanche soir et j'étais dans la cuisine. Et tout à coup, tout m'a semblé au-dessus de mes forces. J'ai vu une année, puis une autre année s'écouler et j'ai pas pu. J'ai pas pu le supporter. Je lui ai dit que je voulais qu'on se sépare. Il a essayé de me convaincre, mais mon esprit avait déjà commencé à partir dans une autre direction. Alors j'ai pris les petites et cette nuit-là, on est allé chez Ritoquet. On a campé dans le salon. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui te ressemblait beaucoup. Du coup, je l'ai emmené à un anniversaire, ici, dans cette maison. Et puis un jour, mon gringo est réapparu avec son sourire qui efface tout. Et qui me fait sentir que... qu'il me pardonnera pour cette fois et d'autres fois encore, alors... Je suis revenue. «
Mais je te mentirais si je te disais qu'il m'arrive pas de... d'imaginer une autre vie. Comment ce serait d'être avec toi? Si on avait eu des enfants. Si on était pris dans une tempête de neige. Ou pendant l'été, si on se promenait dans un petit village aux vieux murs de pierre. Ou si on faisait des choses simples. Comme acheter des fruits. Payer une addition. Aller acheter un cadeau. Je suis pas en train de te dire que je vais mal. Ni que j'aime pas ce que j'ai. Seulement... je peux pas y échapper. Je voudrais... avoir la possibilité... d'envisager une autre vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien. Je veux pas penser. Je peux appeler la compagnie aérienne. Je peux différer le vol. Je peux te prendre un billet. Je te propose de recommencer à zéro. Les jumelles, toi, moi. À nouveau. Quel hôtel? Un hôtel dans le centre. À quelle heure est ton vol? Il est à midi. T'es en voiture? Si je fais ça, tu seras capable? Capable de me soutenir, de m'aider, de me donner la force?